Il est mis en sécurité contre les menaces de toutes sortes. En assurant néanmoins rester dans le registre de l'apaisement, nous ne céderons pas face aux provocations de toute façon. Mes chers compatriotes, j'aimerais dire à tous mon attachement à la réconciliation nationale. Je travaille pendant plusieurs mois. C'est dans ce cadre que je reste disponible dans cette discussion, mettant le respect du peuple en France et de la paix sociale. J'appelle ainsi les uns et les autres à rester calmes et demeurer l'unité nationale pour permettre au gouvernement de résoudre en toute sérénité ce problème. Ao anatina resaka fampiavana pirenena koa no
A affirmé ce matin que c'est la SADEC qui aurait organisé son retour. Est-ce que vous avez eu confirmation ou affirmation? Et dans ce cas, comment se fait-il que la présidence n'ait pas été au courant? Ma deuxième question, c'est... Je vais répondre tout de suite qui le prouve. Moi, en tout cas, la SADEC ne m'a pas informé de ce genre d'information. Ce langage que celui ou celle qui l'a dit. Concernant le statut actuel de Marc Ravalement, vous avez dit qu'il n'avait pas été arrêté, est-ce que ça veut dire qu'il a été mis en résidence surveillée? Pourquoi est-ce que les forces de l'ordre sont venues le chercher à son domicile? Pour quelle raison? Et enfin, qu'est-ce qui attend Marc Ravalement là maintenant? Est-ce qu'il va être incarcéré? Est-ce que vous envisagez une amnistie ou une révision de son procès? C'est trop tôt pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Je pense que c'est dans le cadre d'une discussion, d'une négociation, que cela va se faire. Mais comment voulez-vous qu'on le sécurise? Moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas emprisonné, il n'est pas arrêté, mais il est sécurisé. Je pense que c'est le plus important aujourd'hui.